bena chukwe nye logi yao. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi manges-tu l'écrevisse que je suis supposé utiliser pour préparer ta nourriture? Ezebulo. Hein? Ezebulo. C'est à moi que tu parles comme ça. Approche-toi, je veux voir ton visage. Approche-toi ici. Ezebulo. Tu te demandes à cause de 15 naira de poisson? Hein? Je vais manger ça. Toi, va là-bas et achète d'autres. C'est pas que je ne veux pas en acheter. Mais tu connais ma condition financière. J'ai pas assez d'argent pour en acheter encore. Le peu que j'ai pu acheter, tu es en train de la gaspiller. Tu es vraiment un homme éhonté. Et tu manques la reconnaissance. Non, non, tu te lamentes à cause de 15 naira. Lorsque j'étais chez mon père, j'en mangeais autant que je voulais et personne n'était en train de me parler. Et je suis là pour t'aider. N'est-ce pas que c'est un privilège de m'avoir comme ta femme? Oui, je t'ai fait une grande faveur en acceptant d'épouser un pauvre homme comme toi. Juste à cause d'un 15 naira, tu pleures comme si tu avais perdu quelqu'un. Hein? Il faut avoir un peu honte. Écoute-moi bien. Ce mariage, si tu penses que tu es fatigué ou bien tu ne veux plus de moi, dis-moi, je vais rentrer chez nous calmement. Non, je vais rentrer. Non, parce que moi, je ne supporte pas des insultes. Je m'appelle Ngoliako, tu sais très bien d'où je proviens. Et tu sais bien comment on a commencé. Donc c'est une faveur. Alors si tu vas m'insulter dans cette maison, je vais partir. Je veux partir en paix. Tu as entendu? Agbantalam, tu peux dire tout ce que tu veux dire. Mais en disant que tu veux retourner dans la maison de ton père, tu vois, chaque fois que tu dis que tu veux retourner dans la maison de ton père, ça fait bondir mon cœur. Ça me donne une crise cardiaque, donc ne dis plus ça. Mais tu sais comment te plaindre juste parce que j'ai mangé un poisson de 15 naira comme si ça? Si c'est l'écrevisse qui a ton problème, tu es libre d'en manger. Je peux même aller en acheter encore pour toi. Hein, Ezebulo, rentre ici. Je viens de me rappeler. Va me prendre de l'eau pour me laver. Avant de faire toute autre chose. Que je fasse quoi? Va me puiser de l'eau pour me laver. Avant de faire autre chose. Avec plaisir. Avec plaisir. Les poissons en question est très bon. Oh. Je vais encore ajouter. Maman. Bienvenue, Naï. Bonjour, maman. Je m'étonne que tu sois venue ici. Je crois que tout va bien. Maman, comment tout peut aller bien? Pendant que ton fils Ezebulo a décidé d'être inutile pour lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, ton fils ne vient plus au shop. Tous ces derniers jours, le shop est fermé. Il a complètement perdu toute la clientèle. Hein? Mon fils, je ne sais plus comprendre ce qui se passe avec Ezebulo. Il a perdu ses sens depuis qu'il a épousé cette fille de Odiofele. Ça, c'est sérieux. Très sérieux. Il est ton ami. Aide-moi à les racheter. J'ai essayé de parler avec lui, mais sans succès. Il est vraiment contrôlé par sa femme. C'est pas comme si je ne lui dis rien. Maman, je lui parle trop. Mais je ne sais pas ce qu'il veut. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut. Mais je vais continuer à parler à certains de ses amis. Peut-être qu'ils pourront le faire changer. S'il te plaît, fais le Ongwam. Laisse-moi te donner mes mêmes petits riens à mettre sur les dents. Oh, maman, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je viens à peine de manger. Je viens de manger avant de venir. Es-tu sûre? Oui, maman. Ok. Merci beaucoup, hein. Ok, je verrai ce que je peux faire à propos. Ok, maman. Merci beaucoup. Mike, ça fait longtemps. Comment tu vas? Ah, mon cher, j'aimerais pouvoir le dire, mais je ne saurais vraiment pas là. Que veux-tu dire par tu ne saurais le dire? Quel est encore le problème cette fois-ci? Je sais que c'est un peu bizarre, mais... Tu sais, mon gars, j'aimerais pas te mentir. J'ai vraiment besoin que tu me prêtes l'argent. J'ai besoin d'en finir avec le truc que je dois payer, disons la dot pour ma femme. L'argent. Toi et ton mariage controversé. Écoute, Mike. La vérité est que...
Personne n'a jamais emprunté de l'argent dans notre famille pour épouser une fille. C'est ça, ça ne s'est jamais passé dans notre famille. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu ne l'as pas pour le moment, calme-toi. Va te débrouiller ou même mieux, trouve une autre fille qui peut comprendre ta situation. Tu ne vas pas te tuer parce que tu n'as pas de l'argent. Non. C'est vraiment à moi que tu dis ça. Mon frère, il faut prendre ça comme un conseil. Je te conseille parce que tu es mon frère et aussi mon ami. Si tu prends en compte mon conseil, ça me fera plaisir. Très bien. Pas de problème alors. Ok, pas de problème non. On se voit après. À plus. Chien. Vraiment, hein? Tu veux emprunter de l'argent pour te marier. L'eau pour ton bain est prête. Oh, désolé, Ndo. Écoute-moi. Viens me laver, j'ai fini. Agbantalam, tu sais que je suis en train de cuisiner pour toi. Si je laisse ça maintenant pour te baigner, ça peut être brûlé. Ou bien ça peut ne pas être cuit à temps. Oh, je veux que tu manges juste après avoir pris ta douche. Ézébulo, c'est un ordre. Laisse tout ce que tu fais et viens me laver. Avec plaisir, mon Agbantalam, avec plaisir. Tu fais à quoi? Dire que mon pia. Goliako et sa mère ont lié mon fils. Oh mon Dieu. Tu sais pourquoi ta mère souffre? Parce que ton défunt père ne lui avait pas donné l'amour. C'est vrai. Voilà pourquoi elle agit de la sorte. C'est vrai. Toi, cette femme. Ézébulo, Aruka quoi? Ézébulo! Combien de fois? Maman! Combien de fois t'ai-je appelé? Maman! Ma quoi? Il appelle maman? Mazigini? Ewo, ni maman? Mon Dieu! Comme ça. Qu'est-ce qui te fait crier? Chide, oui, il y a un problème, oh. Il y a un problème. Mon truc me fait très mal, hein? J'ai besoin de pisser là, mais ça me fait très mal. Pourquoi je l'ai touché? Allez, arrête-moi ça. Tu veux ajouter la douleur? Oh, mon cher, c'est un problème, oh. Es-tu sûr que tu n'as pas contacté la gonorrhée ou syphilis ou d'autres infections? Staphylococcus aureus. Hey! Samadina m'a tué. Cette fille m'a tué, oh! Hey! Samadina a fait quoi? Ne me dis pas que tu as fait l'amour avec elle sans préservatif. C'était juste pour un coup. Ça me chauffait là-dedans et je voulais juste faire un coup, non? C'était une urgence, hein? Nous étions censés nous protéger, mais à cause du goût, on avait complètement oublié. De toute façon, je me sens là tout de suite, mon frère. Tu peux pas imaginer. Salut! Comment ça tu va? Crois, non? Je veux bien. Tu ne peux qu'être bien, non? Tu as des beaux garçons à côté de toi. Agbantalam, la nourriture est prête, donc je vais aller à l'intérieur pour chercher la table. T'inquiète, j'aimerais manger la nourriture avec toi, mon mari. Laisse-moi laver mes mains. Je ne t'ai pas dit de laver tes mains et manger avec moi. Je veux que
Tu me donnes ton dos, je vais l'utiliser comme table. Dépêche-toi. Vite, 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 s'il te plaît. Arrange bien cette grosse tête. Ne bouge pas trop, hein? J'espère que tu apprécies le repas. J'espère que la soupe est délicieuse. Oh, kogli gomanyeke. Manchalam. Je parle et tu ne réponds pas. Maman. Hey, Renaud. Hey. Mon fils. Qui t'a fait ça? Jusqu'à ce point, qu'est-ce qui se passe? Hé! Tu as cette petite fille. Bien moi, quel est ton problème? Pourquoi traites-tu ma femme et moi avec un si grand mépris et dédain? En quoi t'avons-nous offensé? Hein? Pourquoi ne pas nous laisser jouer de notre mariage? Quel est ton problème? Pourquoi prends-tu du panadol pour mes maux de tête, maman? Bien, Aruka, quoi? Ezebilo. Donc, maintenant, tu nous as changé d'identification. C'est moi que tu appelles maintenant cette fille. Moi, Bosier, et elle, maman. Je vais en finir avec toi. Oh, mon sou! Je vais en finir avec toi ici. Oh, mon sou! Du coup, lélélé, je crois les boulous, on verra toi et moi. Je te couperai en morceaux et te consommer. Tu as cette fille. Attends-moi ici. Tu verras. Aruka quoi? Occupe-toi de tes affaires. Oh. Aruka quoi, fais attention. Toi aussi, sois fixe, ne bouge pas trop le corps. D'accord, maman. Je vais rester tranquille, maman. Maman. Ni femme, oui, 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 oui. Pom pom aruka kwa pom pom osukosu wanpi nyabiko suboya aruka kwa pom pom. Vas-y, continue la chanson. Oni fe abanchalam ne wiwe nyabiko wewoya aruka kwa pom pom osukosu wanpi nyabiko suboya aruka kwa pom pom. Ah, tu veux dire ceci? Toi, tu perturbes ma femme. Maman, j'espère que tu apprécies la soupe. Je ne veux plus manger. Maman, qu'y a-t-il encore? Non. Maman mange, non. Prends la nourriture. Maman. Prends la nourriture. Quel est le problème? Ta mère a cette audacité de venir m'insulter juste pour... Ah, non. Oh, très bien. Tchai! Maintenant, ça va. Maintenant, comme c'est complet, nous allons fixer un rendez-vous pour vous deux, afin que vous vous rencontrez. Tu comprends, non? C'est une meilleure idée. Je pense que ça va marcher. Chidebe, Okanoume, que ça marche. Ça va marcher. Que ça marche. C'est une bonne stratégie, non? Je sais pourquoi je suis un stratège. Mes stratégies n'échouent pas. Ne te dérange pas, ça va marcher. Où est-ce que tu vas? Tu partais comme ça, n'est-ce pas? Es-tu confuse? Ne sois pas confuse, hein. Alors. Allez, vas-y. Vas-y. Relax. Que je m'en aille. Nous sommes des stratèges, non, si tu veux, ne te dérange pas. Mon cher, marche bien. Marche bien, non? Mais je ne saurais pas le faire. Je suis déjà fatiguée. Maman. S'il te plaît, laisse, je vais te rappeler après. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, s'il te plaît, est-ce que Oga Michael est là? Oh oui. Il n'est pas là, vous le cherchez pourquoi? Nous avons une information très importante en rapport avec sa demande en mariage à notre sœur. Oui. Oui, Wanko aussi. Il n'est pas là, mais il sera de retour bientôt. Donc on peut partir revenir après. Le voilà. Hé, Oga Mike. Oga Mike. Dites-moi un peu ce que vous faites ici. Ne vous ai-je pas défendu de venir dans cette maison, hein? Non, calme-toi. Oga Mike, calme-toi, pas maintenant, hein? Pas maintenant où nous sommes en train de perfectionner le plan. Pour que les choses aillent bien, hein? Pas maintenant, calme-toi. Hein?
Makosi Adi, Aikosi Makosi. Quel stupide plan essayes-tu de perfectionner après tout ce que vous m'avez fait? Ne sois pas offensé. Ce n'était que des stratégies mises sur pied pour que les choses marchent bien avec toi. Oui. Tu dois nous suivre. Tu dois nous suivre pour voir le résultat de l'idée que tu devais apporter. Hein? Juste calme-toi. Juste, viens, allons-y. Si ma cousine, allez. Hein? Cousine, ma cousine. Vous me connaissez mal. Non, calme-toi, suis-le. Oui, maman a raison. Peut-être que ça va marcher cette fois-ci. C'est bon, Nobiko. Ces gars-là. Ok, laissez-moi aller me rafraîchir. Je vais me rafraîchir un peu. Maman, on va l'attendre dans la voiture. Voiture. Ouais. Oui, oui. On va l'attendre dans la voiture. Merci. Très bien. Ok, Michael, fais vite, hein. Fais vite pour nous rejoindre. Somandi, on lui a parlé. Et il est prêt à parler avec toi. Tout ce que tu dois faire est de bien jouer ta carte. Oui. Ok. Marché conclu, d'accord? Vous aurez votre part, c'est promis. Très bien. Allons-y. Que signifie tout ceci? Je souffre vraiment dans ce mariage. Mais j'aime Ngoliaku. Ce mariage est supposé m'apporter de la paix et non toutes ces peines. Je n'ai pas négocié. Mon amour, tu pleures? Je sais que c'est Ngoliaku qui t'a encore tourmenté. Hein? Ce que je ne comprends pas est que comment tu peux laisser que cela puisse t'arriver? Je veux être laissé seul. Je ne saurais pas te laisser seul. Je t'aime. Non, je t'ai dit de me laisser tranquille. Comment dire ceci? Laisse-moi alléger ta souffrance. Je t'aime. Que l'amour se mette à l'écart. Que cet amour se mette à l'écart. Écoute, je ne veux pas ces troubles maintenant. C'est assez les maux de tête que Ngoliaku me donne. Ngoliaku, une seule personne qui me trouble comme ça. Comme de plus, toi, tu es une communauté. Toi seul, tu es un public. Je ne veux pas. Veux-tu me tuer prématurément? Je suis l'enfant unique de ma mère. Laisse-moi tranquille. Comment dire ceci? Tout ceci me donne les maux de tête. Hey, au revoir, Magna. Maman. T'inquiète, je sais que mon fils va t'apprécier. Je l'espère aussi. Tu es très mignonne. Allez, voilà. Maman. Mais pourquoi tu n'es pas d'humeur? Il y a un problème? Je vais bien. Ça, c'est Anemé, la fille de Mazo Ezoke. Ils viennent du Gabon. Bienvenue, comment vas-tu? Je vais bien, mon mari. Est-ce que tu viens de dire mon mari? Et mon fils, tu sais, comme le plan de ton mariage a failli. C'est pourquoi je l'ai pris pour toi. C'est une bonne fille. Une jolie fille d'une très bonne famille. Elle vient du Gabon. Elle n'est pas une villageoise. Mon mari ne te dérange pas. Je suis prête pour toi. Je suis disponible. Prends le temps de la regarder. Hein? Prenez le temps de vous côtoyer. Ne t'inquiète, je crois qu'il est fatigué. J'aurai le temps de parler avec lui à ton sujet. Que je t'apporte le Fanta ou... Je ne comprends toujours pas pourquoi je continue de vous faire confiance, les gars. Parce que nous sommes dignes de confiance, hein? Masi Kosi. Kosi ma Kosi Adina. Bon, es-tu sûr que ce plan spécifique là va fonctionner? Oui. Dans la mesure où tu es prêt à bien jouer ta carte. Bien joué, Judy. C'est une amie très proche de ma sœur. Et elle fera tout, je veux dire tout facilement. Pour que... Tu es ma sœur sans le consentement de mon père. Mazik Osiade. Je te présente Somadina, l'une des plus belles filles de ce royaume. Somadina, ce Mike, il a quelque chose de très important à discuter avec toi. Okanome, hein? Allons-nous. D'accord, on bouge. Nikoyo, nous avons fait tout ce qui est possible pour toi. Hein? Profite. Mako Osiade, hein? Soma, profite.
Bon après-midi, les beaux. Salut, toi. Eh bien, c'est vrai que tu es vraiment très belle, ouais, c'est vrai. Es-tu sérieux? Tu mérites vraiment ce compliment. Merci. Je t'en prie. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches que moi, Samadina, je n'ai pas? Aussi. Anana pote ego. Laisse-les parler. Ok. Attends une minute. Ok. Cette fille n'est pas digne de confiance. Hein? Sinon, elle peut avoir Michael avec son corps sexy. Regarde comment elle secoue son derrière. Mon frère, je ne fais pas confiance en celle-ci. Hein? Sinon, elle peut gâcher notre affaire. Hein? Ta vraie inquiétude devrait être trouver des médicaments pour guérir ça. Ça, c'est un autre problème. Hein? Même Michael n'est pas en sécurité. Cette fille n'est pas digne de confiance. Je suis très sûr de ma stratégie. Écoute, elle nous a payé pour organiser un rendez-vous entre elle et Mike. Et c'est ce que nous avons fait. Mon frère, il y a un autre problème. Et c'est quoi le problème? Tu sais, je veux uriner. Et c'est très difficile pour moi d'uriner parce que ça me fait mal. Et c'est une inquiétude que tu dois résoudre. Hein, petit bébé? Hein, au Mazik aussi. Regarde-moi. Tu vas te retrouver avec mon corps sexy. Prends le temps de l'admirer. J'ai un bassin très fort qui peut porter 5 enfants, si tu le veux. Sois juste avec moi. Oui, c'est évident, oui. Ton bassin peut transporter tout un kilo d'enfants, j'en suis sûr, oui. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce pourquoi je t'ai appelé ici. Ok? J'ai besoin que tu m'aides à parler à Obiaranama. On m'a dit qu'elle et toi êtes des meilleurs amis. C'est pourquoi je suis là. Pas besoin de dépenser 5 millions de naira pour ma dot. Enfin, je pourrais voyager à l'étranger et aller vivre avec mon mari. Eh bien, tu ne comprends toujours pas, ma chère. Je ne peux pas me jeter sur toi parce que j'aime déjà une femme et c'est Obiaranama. Ok? Bien, laisse-moi te donner une mission alors. Aide-moi à parler à Obiaranama. Convainc-la. Et à la minute qu'elle m'aura accepté, donne-moi ton prix et je te payerai. Dans ce cas, sois prêt à attendre jusqu'à l'éternité. Parce que Obiaranama est asthmatique et épileptique. Ok? Pardon? Elle est quoi? Tu m'as entendu. Excuse-moi. Bien, même si c'est une morte vivante, c'est la femme que j'aime et je ne peux pas t'épouser jamais. Obiaranama, asthmatique et épileptique. Non, ce n'est pas possible. Elle a juste dit ça pour me faire peur, rien de plus. Je vais te donner un style que tu vas aimer. Agbantialam. Hein, Zébilo. Bienvenue, mon amour. S'il te plaît, j'ai besoin de toi maintenant. Agbantialam, comme tu vois, je suis en train de servir un client. Donne-moi juste quelques minutes, je finirai avec lui, je te reviendrai. Pardon, hein, on t'est. Zébilo, es-tu malade? Non. Ta femme a besoin de toi et tu me demandes d'attendre. C'est ton client qui doit attendre, pas moi. Mais ça, c'est vrai, oh. C'est lui qui doit attendre. C'est vrai, tu as raison, gare. Maman, donne-moi. Maman, j'arrive. Agbantialam, me voici. Oga, viens me coiffer. Oh. Tu sais que je n'ai pas de temps. Non. Toi, gare. Fais attention maintenant. Mon cher, fais vite et viens me coiffer. Comporte-toi bien. Ne m'interromps plus. C'est une affaire familiale. Pourquoi intervenir quand je parle avec ma jolie femme? Quel est ton problème? Non, méfie-toi.
ma jolie Agbanchala, ma jolie douce et inoxydable femme. Omalicham, si c'est au sujet de l'argent que j'ai promis te donner pour les Rolandais de ta mère, ne t'inquiète plus, l'argent est déjà au complet. Ezebilo, hein? C'est pas pour ça que je suis là. Hein? Je suis venu pour quelque chose de très importante. Et de quoi s'agit-il? Je veux que tu m'achètes une voiture. Et cela doit être LPTP. C'est quoi LPTP? Le plus vite possible. Agbantiala, mais tu sais que je ne suis qu'un simple coiffeur villageois. Veux-tu que je laisse mes affaires de coiffure et commence à conduire du taxi dans ce village? Dois-je encore changer d'occupation à ce point? Ezebulo, je m'en fous de ta vie. Tout ce que je veux faire, là, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est une voiture. Une belle voiture qui va m'aider à circuler dans ces villages. Parce que je suis fatiguée. D'autres le font pour leur chérie ou leur femme. Et ça ne demande pas beaucoup d'argent. Si je ne veux pas, je vais à moi rentrer dans la maison de mon père. Non, non, non. Tu sais que je t'ai dit que chaque fois que tu parles de mettre fin à ce mariage, ça fait digi digi dans mon cœur. Donc tu n'as pas dit ça. Regarde, puisque tu as refusé de me coiffer, moi je m'en vais. Non, non, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Moi, je l'ai fait, Agbantala, l'inoxydable est ici en train de parler. Et tu es en train de l'interrompre. Ne fais plus jamais ça. On ne fait pas ça. Ma jolie femme, oublie le fou là. Il n'est qu'un simple idiot. Mais Agbantala, tu sais que je n'aime pas quand tu parles de retourner dans la maison de ton père. Et chaque fois que tu dis ça, tu sais que ça fait guidi dans mon cœur. Hein? Ezebulo. Hein, maman. Vas-tu m'acheter la voiture ou pas? Maman. J'aimerais savoir, c'est simple. Maman, maman, je... Une voiture. Ezebulo, suis-je comme un jouet chez toi? Maman. Vas-tu acheter la voiture ou pas? J'achèterai la voiture. Bon, quand? Hein? Quand vas-tu m'acheter? N'est-ce pas un véhicule? J'achèterai le véhicule le plus tôt possible. Je t'achèterai le véhicule. Moi, je pars déjà. N'oublie pas le wax que tu avais promis à ma mère. Agbantchalam. Agbantchalam. Viens. Tu es où? Laisse-moi te finir les cheveux, non? C'est l'afro que tu veux ou bien lequel? Lequel tu veux? Viens, laisse-moi te donner dreadlock, non? Dieu me sauvera. Dieu me sauvera. Dis-moi, tu as mal où? Au Tangari? Oui. On a ta gata, c'est ça? On a ta gata, ça fait ti. Hein, tiens ça. C'est tout ce dont tu as besoin pour guérir. Êtes-vous sûr que ça va travailler? C'est quelle question ça? Tu demandes si mon médicament va marcher. Tiens ça. C'est ce dont tu as besoin pour te débarrasser de cette bêtise-là. Écoute, ces médicaments guérit toutes sortes de maladies. Maux de tête, infections, maux de fesses, maux de ventre, même la maladie de l'éléphant, ça guérit. Juste va avec. Ça fera l'affaire. Hein? Donne-moi l'argent. Nous espérons que ça marche. Hein, prenez-vous. Donne ici. Ojume Egwegu. George, je les ai escroqués. De simples feuilles de légumes sont à l'intérieur là-bas.
Oh, l'argent. Bien, bien. Donc, c'est ça, hein, quoi, hein? Vous êtes là en train de vous réjouir. Pas de problème, Omaka. Hein? Mais vous croyez vraiment me décevoir? Après avoir eu mon argent, vous pensez que vous allez fuir avec, hein? Pas de problème. Vous voyez cet argent, vous allez me le remettre. Et également parce que je ne veux pas de troubles. Remettez mon argent. Attends, Chidebe, de quoi parle-t-elle? J'aurais bien voulu le savoir. Wangeta, de quoi tu parles? L'argent que je vous avais donné pour ma rencontre avec Mike, il m'a insulté. Et de quoi cela nous concerne-t-il, hein? Nous avons fait ce que tu avais voulu qu'on fasse. Si tu veux un service supplémentaire pour qu'il t'appartienne, tu dois payer des frais supplémentaires. Pour acheter de l'argent? Ouais. Pour un homme qui est accro à Obiranama, hein? Alors fais en sorte qu'il s'intéresse à toi, hein? C'est simple. Moi aussi. Hein? Mais comment je vais faire? Écoute, ce que tu dois faire à ce sujet, les frais de consultation est de 5 000. Et le rendez-vous à ce sujet, c'est 12 000 naira. Tu n'as pas besoin de calculatrice. Le tout fait, 17 000. Dans une courte période, pour épouser un résident américain. Quelqu'un qui vit en Occident. Tu veux l'épouser comme ça? Obodo Ibo, USA. Oh, non. Je ne suis plus intéressée. Je ne suis plus intéressé. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Remettez-moi mon argent. Pas de remboursement de l'argent après le paiement. C'est clair pour toi? C'est écrit dans le reçu. Pas de remboursement après paiement. Oui. Que cela soit clair pour toi. D'accord? Je ne suis pas content. N'ose jamais lever ta voix sur nous. Sinon, je dirai aux villageois que tu as des infections. Tu as la gonorrhée, le syphilis et tout ce qui va avec. Mon cher, allons-y. On lui a tout dit. Allons-y, suis-moi. Prends la boisson, non? Vas-y, prends la boisson. Prends ça. On te rembourse ton argent. Lavi. Lavi. Hé, quelle jolie fille. Lorsque ce gars va me voir aujourd'hui, il ne saura pas se contenir. Quelle jolie fille. Je m'en fous. Point de correction. Je m'appelle Rosa. Rosaline. As-tu quelque chose à me dire? Allez, dis-moi. Où est-ce que tu vas et qui t'a peint le visage comme ça, comme un clone? Pourquoi je ne sais village ne s'occupe pas de leurs affaires? Même cette fourmi qui est devant moi me parle aussi. S'il te plaît, occupe-toi de tes affaires, oh. Occupe-toi de tes affaires. Et quelle est les, Je m'en fous. Tout ce que tu sais faire, c'est mettre ta poitrine en avant. Ok, moi. Tu ne te blâmes pas. Ok, maintenant tu fouilles, hein. Tu as pris fouille, hein, c'est bon. Idiote. Donc, tu n'es même pas forte, toi, hein. Tu vas voir. Ikelele, je m'en fous.
Ikelele, ikelele, je m'en fous. Né, tu m'as dit que tu as fait un oeil que tu voulais manger. J'ai fait les gosous. Laisse-moi te servir comme ça, tu vas manger. Ce pain ici, c'est le pain de la vie. Et je suis la championne de pain. Maman, t'inquiète pas pour moi. Maman, c'est bon. Il n'y a pas de problème si tu oui, le dis. Maman. Bienvenue. Oui, je maman. Sais que mon fils va t'aimer. Comme tu préfères le pain, il n'y a pas de problème. Mon fils, maman. Bon retour. Merci, maman. Bienvenue. Comment était ta journée? Pas si mal que ça. Et qui est-elle? Elle, c'est Rose. Point de correction, maman. Je suis Rosa. Je suis meilleure que la fleur ou le fleur fan sous les soleils. Mais moi, je suis forte plus que tout. Viens me goûter, tu vas voir. Bien, si tu le dis. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Es-tu amie avec ma mère? Non, souviens-toi, tu m'as dit que tu courais derrière le temps par rapport à ton boulot aux États-Unis. C'est pourquoi je... C'est pourquoi je suis allée te choisir. Une bonne femme qui n'est pas matérialiste. Tu sais que tu dois rentrer aux États-Unis avec une femme. Donc, elle est là. Je suis une femme très complète. Full option, 6600 volts. Mon courant est de 220 volts éligible. Et non, bien. Tu ne pourras pas finir ça haut. Barrage d'Inga. Non, tu ne sais pas quel est le barrage d'Inga qui produit du courant pour notre cher et beau pays. Mais s'il te plaît, tiens-toi toi-même avant de nous électrocuter ici. Et rentre chez toi, s'il te plaît. Je ne veux pas partir. Je ne bougerai pas d'ici. Pourquoi? N'oublie pas qu'il ne te reste pas assez de temps. Tu dois sécuriser ton job. Maman, maman, s'il te plaît, je n'ai pas choisi de l'insulter parce que c'est la première fois que je la rencontre. Alors si tu ne veux pas que je t'insulte, alors aussi à toi que je parle. Va-t'en tout de suite. Que je ne te revoie pas ici. Né, calme-toi. Je veux parler avec lui. Mange d'abord ton pain de vie. D'accord? Merci, maman. Maman, tu sais bien. J'ai bien compris mon mari. Il va changer. Il est comme les filles de ce village qui me traitent comme si je suis une si c'est comment. Et tu sais quoi, maman? Il va changer d'avis. Il va me revenir très bientôt. Maman, ne suis-je pas belle? T'inquiète, tu es une femme complète. Tu as tout ce qu'une femme doit avoir. Tu es vraiment pleine. Aucun homme ne peut te résister. T'inquiète, ça ira. Bonjour. Ça va, tu pars déjà? Oui, maman, je vais au travail. On se voit dans la soirée, d'accord? Bonne journée. Attends, Ezebulo. Ezebulo. Ezebulo, attends. Où veux-tu partir? Veux-tu me laisser ici toute seule? Agmantala, tu sais que je dois aller au travail pour gagner de l'argent, afin de pouvoir bien... Tu n'iras pas au travail aujourd'hui. Tu es occupé, laisse-le aussi travailler. Tu vas préparer pour moi aujourd'hui. Je veux qu'on me masse le pied. De qui va le faire? Tu sais bien que ta mère et moi ne marchons pas. Tu veux que me laisser seule ici? Goliako, Amosacha, Tomatola, Pito. Hey, vous avez ensorcelé mon fils, hein? Quelle femme! Non, maman, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Maman, quel est ton problème maintenant? Je n'aime pas ce que tu fais. Tout d'abord, point de correction. Ma femme ne s'appelle pas Ngoliako. Arrête de l'appeler comme ça, je ne l'aime pas. Appelle-la Agbanchala. Ou bien tu l'appelles Oua Mami Wata. Deux, je n'aime pas la façon dont tu te mêles dans l'amour entre moi et ma femme. Ça ne me plaît pas. Laisse-nous tranquilles. Quel est ton problème? Gabo et Bembola Mozu, n'avais-tu pas joué ton mariage? N'avais-tu pas apprécié l'amour entre toi et ton mari? Pourquoi dois-tu te mêler dans l'amour entre moi et ma femme? Je n'aime pas ça. Toi, Aruka quoi? Aruka quoi? Laisse-nous tranquilles. Je n'aime pas ce que tu fais. Occupe-toi de tes affaires. Ezebilo. Ezebilo. Hey, qu'est-ce qui ne va plus? Hey, amour. Amour, cet amour te tuera. Non. Tu vas mourir, Ezebilo.
Pitié. Maman, pourquoi prends-tu du panadol pour mes maux de tête? Est-ce que je me plains? T'as-tu dit que je n'aime pas ma femme? Quel est ton problème, cette vieille femme? Je n'aime pas ce que tu fais. Laisse-nous tranquille. Agbantialam, tu vois ce que tu as causé? À cause de toi, ma femme se tient sous ce chaud soleil. Écoute, maman, que ça ne se répète plus haut. Tu n'es pas appelé à te mêler dans nos affaires. Agbantiala, s'il te plaît, ne te fâche pas. Allons à l'intérieur, je vais te préparer quelque chose à manger, s'il te plaît. Toi, ne te gêne pas, je vais t'ouvrir moi-même la grille. Ah, que veut dire tout ceci? Que veut dire ça? Laisse-moi jouir de ma femme. Je l'aime telle qu'elle est. Tu es déjà vieille, donc tu dois te méfier. Ça, ce n'est plus mon fils. Mon Dieu, cette femme va tuer mon fils. L'amour, c'est quel amour ça? Mon Dieu, incroyable. Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon fils? Ma belle-sœur, c'est devenu des trop. Peux-tu croire que jusqu'à présent, mon mari garde toujours silence sur le dossier du mariage de notre fille? Es-tu sérieuse? Oui. Je ne disais rien auparavant. Je pensais que mon mari pouvait me dire quelque chose. Hein? Mais il insiste que tout homme qui viendra demander notre fille en mariage doit amener 5 millions pour que ce mariage ait lieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Je vois que quelque chose ne va pas avec Okadibo. Mais qu'est-ce que Biarana m'a proposé tout ça? Qu'est-ce que la pauvre fille peut faire? Que veux-tu que la pauvre fille fasse? Elle ne peut pas désobéir son père. Hein? Et le fait que son père lui dise ces choses, ça a ôté la joie en elle. Elle n'est plus heureuse. Okadibo veut que je lui montre mon autre visage que j'avais déjà oublié. Qu'il ne me pousse pas à l'appeler toutes les Umwanda pour lui. Honnêtement, ma soeur, je ne sais pas ce que je peux faire. Ma fille n'est plus heureuse. Mais mon mari Okadibo est resté carré. Il ne veut même pas changer d'avis. Il ne veut même pas dire quelque chose. C'est bon. Calme-toi. Tout ira bien. Ok? Es-tu sûr? Tu calmes. Et que je me calme. Tu sais quoi? Je vais exposer ces problèmes auprès des dirigeantes d'Umwanda. Es-tu sûr? Oui. Et je suis sûre qu'elles vont s'occuper de lui. Du fait que mon frère Okadibo refuse d'écouter Adanem et moi. Tu calmes, ok? Ok. Je me calme alors. Détends-toi. T'inquiète pas. D'accord, ma chérie. Je t'en prie. Je crois en toi. Oui. J'ai confiance en toi. Maman, tu sais que ma femme ne mange pas la nourriture d'hier. Alors je vais au marché pour faire les courses afin de lui préparer un très frais repas pour son petit déjeuner. Ezebilo, maman, n'as-tu pas honte de toi-même? Depuis que tu t'es mariée, tu ne fais rien de bon pour toi-même. Tu ne pars plus à ton business. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Maman, je ne comprends plus ce qui est encore ton problème. Ce qui est là est que soit c'est moi qui fais les activités domestiques ou bien c'est ma femme qui les fait. La réalité est que toutes les activités domestiques sont faites et sont faites à temps. Tu as compris? Et deuxièmement, j'aime ma femme. Et ma femme aussi m'aime. Quel est ton problème, maman? Veux-tu épouser ton propre fils? Laisse-nous tranquille, non? Tu t'étais mariée. Laisse-moi aussi jouir de mon mariage. Ezebilo, aussi longtemps que je vis, je veux briser ces jougs. Je veux briser ces jougs au nom de Jésus. Amen. Non, quel joug veux-tu encore briser? Bien. Elles ne te vaincront pas. Ces jougs seront brisés au nom de Jésus. Arrête de te mêler dans les affaires d'autrui. Non, toi, Arouka, je n'aime pas ce que tu fais. Tu avais fait comme ma femme se tenait sous le chaud soleil. Toi, on verra bien. Si tu ne fais pas attention, tu me forceras à démolir cette maison. N'oublie pas qui je suis pour toi. Oh. Non. C'est moi ta mère. Je suis en train de parler à ta mère. Oh. Arouka, Arouka quoi? Où est partie ton intelligence, Ezebilo? Tu es en train de Es-tu devenu fou? J'ai brisé ce jour au nom de Jésus. Arouka quoi? Arouka quoi? Amen.
Hey, cette tisane ne marche pas. Hey, cet homme m'a trompé. Je dois retourner là-bas et prendre mon argent. Ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman, bonjour. Okanoumé. Maman. Tu vas bien? Maman, je vais bien. Je vais bien, oui. Je vais bien. Es-tu sûr? Rien de mal chez moi, je vais bien, oui. Mais qu'est-ce que tu caches? Caché. Hein? Maman, je ne cache rien. M'as-tu vu cacher quelque chose? Maman, je ne cache rien. Es-tu sûr? Oui, maman. Je suis sûr. C'est bon. Alors, où est ton frère? Qui bébé? Je ne sais pas. Maman, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon? Sors! Tu vas travailler aujourd'hui. Tu vas balayer. Sors! Allez, prends le balai. Balayer quoi? Nettoyer quoi même? Laisse-moi, ne touche pas. Laisse-moi. Hé, je compte avec toi. Moi, balayer. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu vas le faire. Attention, ne me cherche pas haut. Attention, laisse-moi tranquille. Ne me dérange pas. Tu ne balayes non plus. C'est quoi ton problème? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Hé! Femme! Tu me provoques, oh! Tu cherches des problèmes! Tu cherches mon trouble! Maman! Tu cherches mon trouble, oh! Maman, qu'est-ce que c'est? Quel est le problème? Maman, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu! Maman! Maman! Mon Dieu! Mon pied! Oh, j'ai mal! Chez moi. Viens récupérer ta fille. Pourquoi tu cries mon nom comme ça? C'est quoi cette bêtise? Peux-tu t'exprimer sans crier? Ah, Nebino, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, Molissa, ta sœur indocile. C'est insensée. J'en ai marre d'elle. Elle est incapable de laver ses propres habits. Elle ne prépare pas. Elle ne sait rien faire du tout. Va sortir ta fille de chez moi. Vas-y, sinon, je lui ferai voir mon autre face. Tu devais être reconnaissante du fait que j'ai accepté ton misérable garçon comme beau-fils. Hein? Au lieu de venir chez moi et raconter du n'importe quoi.
Belle-mère, s'il te plaît, essaie de te calmer. Considère-la comme ta propre fille. La dot, c'est comme la taxe du gouvernement. On ne peut rembourser après avoir payé. Mélolissa, Mélolissa, je suis fatiguée de ta sœur. J'en ai marre d'elle. Je ne veux plus d'elle chez moi. C'est ton problème. Je ne veux même plus le remboursement. J'en ai pas besoin. Venez la chercher. C'est une sorcière. Est-ce que ton fils se plaint? Il ne se plaint pas. Parce qu'il connaît les qualités de la femme que je lui ai donnée. Oh Dieu, fais-le. Oh Dieu, fais-le. Écoute-moi. Si tu ne viens pas prendre ta fille, sois prête pour venir récupérer son corps. Hein? Point final. Point final. C'est toi prête, oh. Tu viens de récupérer son maman, corps. C'est toi qui as causé tout ça. Comment? Comment? Tu as causé ça. Quand je te disais, c'était comme si je faisais du bruit. Ils sont stupides. Si tu veux prendre leur défense, vas-y. C'est toi qui l'as induit dans cette perdition. Ils sont stupides. Maman, regarde ce que tu as causé. Le sang de ma sœur sera sur tes mains. À chaque fois qu'elle était en train de commettre des bêtises, tu ne faisais qu'elle encourageait. Voilà aujourd'hui. Allez. Sors. Va-t'en. Sors. Sors de ma maison. Sors. Laisse-moi tranquille. Sors de ma maison. Laisse-moi. Va-t'en. Rentre chez toi. Tu cherches mon trouble. Laisse-moi. Pars tu cherches mon trouble. Allez, sors. Attends, maman. Tu ne cherches pas de problème. Maman, arrête ça. Pars. Maman. Tu ne cherches de problème. Laisse-moi. Viens ici, maman. Éteins ta mère. Viens ici, maman. Laisse-moi. Tu cherches à mourir sur quelqu'un. Je suis ta mère. Pas dans mes mains. C'est moi ta mère. Pas chez moi, je te dis. Je suis ta mère. Laisse-moi. Qu'elle parte là-bas même. N'importe quoi. Attends, maman. Pourquoi maman, je te prends toi? Maman, c'est là vous êtes mon père ici. C'est là vous êtes mon père ici. Va dans la maison de ton père aussi. Qui tu sais, va dans la maison de ton père. Toi, où moi cette fille? Toi, où moi cette fille? Allô quoi? Va-t'en d'ici. Viens, maman. Maman. C'est moi ta mère. Donne-moi les clés, on va faire cette femme dehors. Donne-moi les clés. Ne dis pas que je suis ta mère. C'est moi qui t'ai mis au monde. Maman. Je ne suis pas cette fille. Maman. Je suis maman, donne-moi les clés. Je suis arrivée au bout avec Ezebilo. Oh mon Dieu. Papa. 24 coups. Pas pitié. 24. Tu... Papa, attends, s'il attends. Te plaît. 24 coups, c'est compris? Donne-moi ta main. Papa, non. Donne-moi ça. Si tu ne tends pas ta main, je vais te chicoter. Papa, non. Maintenant, tends ta main. Je le ferai, papa. Oui. Ok, tends ça. Je dis bien 24 coups. Papa. Tu te mets encore. Tends ta main. Qu'est-ce qui se passe? Je dis plus. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu me demandes? Oui. Demande-la ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille a commis une abomination. Comment? Je l'ai vu marcher avec ce gars stupide. Michael. Ce beau garçon sans argent. Marcher avec lui tout au long de la route. Quoi est mal dans ça? C'est pour ça que tu veux la tuer? Il n'y a rien de mal avec ça. Que ma propre fille, Ono, est en train de pavaner avec un pauvre homme qui ne pourrait même pas payer simple 5 millions pour l'épouser. Tu dis qu'il n'y a rien de mal dans ça? C'est pour ça que tu veux vraiment tuer ma fille pour moi? Mais qu'est-ce que tu m'as fait avec toi? Fais attention, oh! Laisse ma fille tranquille pour moi, oh! Regardez-moi ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je ne t'aime pas! Je vais vous chicoter tout de suite, tu vas voir! Laisse-la! Je vais la chicoter! Laisse ma fille! Laisse-moi! Écoute! Oui! Arrête! C'est quoi ton problème? Papa! Oh! Oh, Kanoumé! Sœur! Chidebe! De quel côté êtes-vous tous les deux? Nous sommes du côté de la vérité, intégrité et équité. Écoute, tu sais. Oh bien, non, ma, écoute, hein. Ta question-ci est sans réponse. Hein? Tu sais qu'on ne peut pas rester les bras croisés, voir papa te chicoter. C'est pourquoi on a été obligé de te sauver. Juste, regardez-le. Tout ce qui vous concerne est mauvais. Je ne connais pas votre position. Un moment. Vous faites comme si vous cherchiez mon bonheur. Et l'autre moment, vous devenez comme lui. Vous êtes du côté de papa. C'est pas normal. C'est pas juste. Je suis votre unique sœur. Votre Ada. Vous le savez. Tu sais que nous t'aimons, non? Ce n'est pas bien. Bien que je sais que tu es très noir. Comme un corbeau. Mais c'est pas toujours bien. Oh bien, Lana, ma personne n'est contre que tu épouses l'homme de ton choix. Mais les termes des conditions sont appliqués. Moi, c'est cosy. Hein? Ma cosy, allez. Ma cosy, il n'y a même pas cosy. Ma cosy. On n'a pas de choix.
Ok. J'aimerais vous poser une question. Vas-y alors. Et si jamais demain, vous tombez amoureux et que vous voulez vous marier, et le père de la fille vous exige de lui remettre 5 millions de naira avant de vous donner sa fille en mariage, qu'est-ce que vous ferez? Parce que je sais que, tel que vous êtes là, vous n'avez rien. Même si on vous vendait, on n'aura pas cette somme. Alors qu'est-ce que vous ferez? Allez, répondez-moi. Vos réponses pourraient m'être utiles. Vos réponses pourraient m'aider. Dites quelque chose. C'est surtout à toi que je pose cette question. Ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas vu Okadibo et Chinebe. Qui sait ce qui leur est arrivé? Leur source d'argent est tarie maintenant, non? Leur père Ono a refusé de donner sa fille à cet homme de Amoji. Alors ils n'ont plus retrouvé de l'argent. C'est pourquoi ils ne se font plus voir. Pas cher. Honnêtement parlant, hein, j'ai vraiment besoin qu'ils m'achètent de la viande. Je n'ai vraiment aucune idée de la façon dont ils vont s'y prendre. Tout ce que je sais, que j'obtiendrai ce que je veux. Tu m'y crois pas. Je sais de quoi tu es capable. Seigneur. Lani. Attends. Où est Lani? Attends. Viens. Où est mon argent? Qu'est-ce que tu fais? Où est mon argent? 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 Où est l'argent? Fouille-le! Jusqu'à l'anus! Lani, tu as eu l'audace de nous mentir. Voleur! Tu nous as menti. Un adulte comme toi. Attends, hein? Je verrai. Compte ça, c'est complet? Oui, c'est complet. D'accord. Écoute, allons l'attacher. Allons l'attacher derrière. Tu vas faire. Aïe! À l'aide! À l'aide! Maman, tu sais très bien que j'aime énormément ton fils. Et je suis prête à tout faire pour l'avoir. Moi. T'inquiète, hein. Je sais que mon fils t'aime. Il va t'épouser. Okay. Hein? D'accord. Mais ça a toujours été comme ça. Merci. Persévère. Ça ira. Hein? Te décourage pas. Quelle est là-haut? Oui, attends, je vais te la passer. Maman? Non. Je te rappelle tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue préparer, hein, pour mon mari. Qui est donc... Maman, qu'est-ce que veut dire ceci, non? Mon fils, je peux te parler en aparté? Va-t'en. Pourquoi? Va-t'en, Mike, tout de suite. Apaise-toi. Mike, ne fais pas ça, hein. Viens, on va parler en privé. Approche. Mais maman, c'est quoi ce bordel? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Maman, sérieusement, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce que tu es en train de faire là. Tu cours derrière le temps. Tu dois te marier et rentrer vite en Amérique pour sécuriser ton job. C'est évident que tu ne sauras pas couvrir la demande de Onoro. Oublie cette fille. Rosaline est prête pour toi. Pourquoi pas l'épouser et rentrer vite pour ton job? Hein? Qu'est-ce que tu cherches encore? N'est-ce pas qu'elle est assez belle? Hein? C'est en Syrie que je vais l'amener. Non, même si je dois l'amener hors de ce village, je l'amènerai en Afghanistan ou mieux encore en Irak. Comment peux-tu t'attendre à ce que j'épouse cette fille de dernière classe, maman? Ça, c'est ton problème. Même si Rosaline n'est pas de ta classe, ok, pas de problème. Si tu ne peux pas épouser celle que tu veux, pourquoi pas épouser celle que tu vois? Hein? Tu peux toujours remonter son niveau. Tout dépend de toi. Ce n'est pas impossible. Hein? Elle est grasse, elle te convient. Si tu l'épouses, il n'y a pas de problème. Elle va couvrir ta honte. S'il y a à manger, elle mangera. S'il n'y en a pas non plus, elle ne va pas maigrir. Hein? Bikomon, Ogadiro. Maman, sur mon propre cadavre, je n'épouserai jamais cette sorcière-là. Donc, dis à cette fille de m'éviter. Parce que je suis vraiment diabolique. Il est encore trop tôt. Dis à cette sorcière de laisser ma vie. Si c'est toi qui l'amènes ici, c'est ton problème. Tu n'as pas assez de temps. Rachète le temps.
Tu dois retourner en Amérique. Et la condition pour toi de retourner, c'était de rentrer avec ta femme. Hein? Arrête de faire perdre le temps. Oh. Hein? Sinon, on risque de te rapatrier des États-Unis. Est-ce que tu as fini de parler maintenant? Hey! Hey! Sors! Michael, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, essaie de tourner. Comme ça, elle va bien te voir. Il n'a rien qu'elle manque, tu vois? Sors d'ici! Maman, est-ce que tu peux me permettre de me lever un peu? Mes mains et mes genoux me font mal. Ça, c'est ta punition pour avoir pris la part de ta stupide mère. Maman, mais... Mais quoi? Moi, je mange. Maman, mais je ne l'ai pas soutenue, non. Est-ce que je peux me battre avec ma mère? Tu étais là et tu as vu tout ce qui s'est passé. Je l'ai même porté comme je portais un bébé. Et tu étais là lorsque je... Ezebulo, arrête de parler et écoute-moi. Ezebulo. Maman. Veux-tu que je rentre dans la maison de mon père? Hein? Tu ne veux pas de ça? Non, n'en déplaise à Dieu. Non. Agbantialam, s'il te plaît. Descends. Ne retourne pas dans la maison de ton père. N'en parle même plus. Maman, aie pitié maintenant, de moi. Maintenant, mets les sourires sur ton visage. Maman, aie pitié de moi, non. Souris. Hein? Vas-y. Que je souris. Oui, c'est ta punition. Tu dois le faire avec sourire. Avec plaisir. Avec gentillesse. Vas-y, accroupis-toi. Maman. Akam na mazuba di. Mes genoux. Augmente l'âme. Je veux dire quelque chose. Maman, dois-je chercher de l'eau pour te masser les pieds? Si je finis de manger, alors accroupis-toi. Maman. Accroupis-toi. Mes genoux. Mes bras. Écoute, tu dois très bien finir ta punition. On a mal dit. Maman. Maman, c'est clair que tu n'aimes pas ma femme. Et ainsi, je déteste te voir ici. C'est la maison de mon père ici. S'il te plaît, retourne dans la maison de ton père. Ezebulo. N'oublie pas que c'est ta mère que tu parles. Non, maman. Il y avait un échange de maternité le moment où tu as décidé de détester la femme que j'aime. Maintenant, elle a pris la place d'une mère dans mon cœur. J'aime ma femme. Je ne pense pas que je t'aime encore. S'il te plaît, comme je l'avais dit avant, ici... C'est la maison de mon père. Retourne dans la maison de ton père. Agbantialam! Agbantialam! Agbantialam, viens voir. Waouh. Si tu décides de faire quelque chose, tu vas le faire. Et j'ai vu le... Agbantialam. Waouh. Mais c'est arrivé. Moi, et c'est Bulo. Et c'est Bulo. Agbantialam. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu sais que je te promettais que j'allais t'acheter une voiture. Tu comprends? Et considérant la situation économique du pays, au lieu de perdre le temps jusqu'à ce que je rassemble assez d'argent pour une Jeep, j'ai décidé de commencer avec cette pièce intercontinentale. On croit ici, oh, yeah, il faut monter à nos. Tu vois cette voiture? Elle a 4 roues. Tu vas l'aimer, il faut monter voir. Waouh.
Ezebulo. Agbanchala. Je te demande encore, qu'est-ce que ceci veut dire? Tu vois, Agbanchalam, à ce point, hein, je crois qu'on n'a pas besoin de tirailler sur ça. Je pense que nous devons commencer à célébrer l'arrivée de ce nouveau bébé. Donc, on n'a pas parlé beaucoup. On va juste naviguer. Naviguer. Et je vais t'amener à Obrugoro Convat. Ngwanyo Nkuvibut. Mon Bunanke Ofiaku. Gadjemu Wangbede. Et c'est bulle est arrivé. Quatre roues. Ne perdons pas le temps. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que disent les gens? Ya, il faut monter, non? Agbanchala, c'est comme si bien, la batterie est déchargée ou bien il y a quelque chose d'autre. Hein? La voiture que j'ai juste conduite dans cette maison, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je viens de découvrir la panne et je l'ai déjà réparée. Ça va démarrer maintenant. Agbanchala, Abiko, je ne sais pas si tu peux m'aider juste à la pousser un peu. Juste un peu de poussée que tu vas donner, le moteur va démarrer. Ezebulo, Agbanchala, tu veux que moi, Ngoliako, t'aider à pousser cette voiture? Juste un peu. Tu quoi? C'est une poussée d'amour. J'ai juste sur ma propre tombe. Tu sais quoi? Attends-moi. Je reviens. Agbanchala, c'est ce qui me plaît à ton sujet. Tu es vraiment une femme compréhensive. Une femme très, très compréhensible. S'il te plaît, si tu vas à l'intérieur, hein, aide-moi avec une clé 14, 13 têtes plates. Merci beaucoup. Toi aussi, sois gentil, non? Hein? Que veut dire tout ceci? Toi que j'ai conduit dans cette maison, que veut dire ça? Ah? Pourquoi tu fais ça? Sois gentil, non? Non, que veut dire ça maintenant? Que veut dire ça? Toi que j'ai conduit dans cette maison, et tu veux me honnir devant ma femme, que veut dire tout ceci? Un vaurien! Tu es vraiment un vaurien! D'ailleurs, il n'y a rien de bon qu'on peut écrire sur toi. Tout ce qui te concerne n'est que frivole. Homme maudit. Je me demande pourquoi est-ce que j'avais accepté de me marier à un homme pauvre comme toi. Imagine, tu veux qu'un Ngoliako, moi, Ngoline Niako, a entré dans ce toukoutoukou pour que mes ennemis se moquent de moi. Hii, ton plan a échoué. Tu vas voir. Dors. Gobé, écoute, j'ai tout vendu. Ok?
Donc, la seule chose que tu... Non, hein. Toi, gare. Retourne-moi mon argent. Mon client, bienvenue. J'espère que tu es venu avec mon argent. Non, hein. Toi, gare. Retourne-moi mon argent, gare. Non, c'est toi, par contre, qui me dois 2500 Naira. L'argent, c'était 47 500 Naira. Donc, c'est à toi de m'ajouter 2500 Naira. De quoi parles-tu? Non, gars. J'étais venu pour acheter une voiture. Mais est-ce que tu m'as donné Ether? Une carcasse. Oh, tais-toi. Ce que tu m'as donné était une carcasse. Peux-tu imaginer, tu m'as vendu une voiture et j'ai conduit la voiture à la maison. Arrivé à la maison, le moteur a refusé de démarrer. La voiture est moins chère que le véhicule. Ce que je t'avais vendu, c'est un véhicule. Non. C'est un véhicule. Il faut avoir le veille et le cul pour le conduire. Voilà pourquoi ça t'a compliqué. Donne-moi mon argent. Arrête ces bêtises. C'est quoi ça? Toi, ce gars. Retourne-moi mon argent. Retourne-moi mon argent vite. Ok, c'est bien. Si tu veux ton argent, c'est pas un problème. Va et ramène-moi les véhicules et parque-les où je te l'avais donné. Comme ça, tu pourras récupérer ton argent. Comment puis-je conduire une voiture dont le moteur ne peut plus démarrer? C'est un véhicule. La voiture que j'ai conduite d'ici à la maison, ça n'a même pas fait 5 minutes et puis ça... Un véhicule. Donne-moi mon argent, gare. Non, hein. Ok, je te parlais, tu es en train de boire de la bière. Ah, ce n'est pas ton problème. Le fait que tu bois de la bière n'est pas mon problème. Mais je te parle, tu bois de la bière et tu es en train d'éructer. Et Dieu, tu es en train d'éructer. Que vas-tu faire? Donne-moi mon argent. Garde à toi. Faites attention. Viens, garde. Dégage, garde, toi, mon argent. Ne me touche pas. Dégage. Je sais que la panne de cette voiture serait très petite. Ce ne serait pas sérieux. Oh. La voiture que je viens juste d'acheter. Fixe-le, s'il te plaît. Je veux naviguer dedans. As-tu la réparée? Donc je vais démarrer voir. Mon cher, ça sera un travail très difficile. Le moteur est en panne. Moteur en panne. Exact. Mécanicien, il paraît que tu n'as pas compris. Je viens juste d'acheter cette voiture. Et je n'ai pas fait une longue distance avec elle. La seule distance que la voiture a parcourue, c'est de là où je l'ai achetée, à cette maison. Donc, je ne comprends pas cette idée de moteur et panne. Par rapport à la vérification, il y a une fuite de lubrifiant. Alors, il n'y a pas de lubrifiant. C'est pourquoi le moteur ne marche pas. Il te faut 90 000 naira pour le réparer. J'ai pas compris. Ça va me coûter 90 000 naira. Pour réparer une voiture que j'ai achetée à 45 000 naira. Oh gars, ça c'est si choquant, ça! Qu'est-ce qui peut te choquer quand tu achètes une voiture à 45 000 naira? De toute façon, je m'en vais. Quand tu auras l'argent, tu sais où me trouver. Tu vois ça? Je vais chercher d'ailleurs. Je veux mon argent. Remettez-moi mon argent. Laisse-moi. Mon argent. Je ne sais pas que je suis un prince. Et que Mac aussi. Mac aussi, d'accord? Écoute, prince. Si vous ne voulez pas voir le pire en moi, si vous ne voulez pas voir ma folie dans ces villages, remettez-moi mon argent. De l'argent stupide parles-tu? De l'argent stupide. Attends, écoute. Nous savons que tu es une prostituée dans ce village. Prostituée, hein? Et tu es occupée en distribuant des MST à tout le monde. Nous ferons savoir au monde entier. Arrête ça. Attends, tu peux. Laisse mon frère en paix. Tire-le-paix. Allons-y. Si vous ne me remettez pas mon argent, ce village ne va pas me contenir. Parce que vous ne saurez pas fuir. Je vais m'en prendre à vous, je vais vous suivre jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Où sont tes garçons? Comment oses-tu entrer chez moi avec une machette? Es-tu fou? Hein? Tu as vu comment ils m'ont tabassé? Ah! Regarde, je vais couper leur tête aujourd'hui. Tu ne pouvais pas vaincre deux petits garçons dans ta maison. C'est dans ma maison. Dans la maison de Noah, que tu veux venir les vaincre, hein? Quelque chose ne va. Tétisane la monte sur ta tête. L'autre fois, ils m'ont pris par surprise.
Maintenant, je suis bien préparé pour eux. Je vais couper leur tête, même celui-là qui a les infections. J'en finirai avec lui aujourd'hui. Oh, ils t'ont eu pas surprise, hein? Oui. Maintenant, tu es prêt. Très bien préparé. Avec ta machette dans ma maison. J'en finirai avec eux. Dans la maison de J'en finirai avec okay, eux. Ok, laisse-moi faire sortir mon fusil de pompe et on verra si tu es prêt. Attends, hein. Attends-moi. Fusil, fusil de quoi? Attends. On verra maintenant si tu es vraiment prêt. Hein? Fusil? Fusil de quoi? J'en finirai avec eux. Aujourd'hui. J'en finirai avec eux. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il est parti prendre? Hein? Je vais... Où est-il? Où est cet idiot? Hey. Aujourd'hui est un mauvais jour. Hein? Hey. D'un problème à l'autre. En fait, c'est mieux que le problème permanent que j'ai. Mon cœur bat à chaque fois que je veux boire de l'eau. Parce que je ne peux pas pisser. Qu'allons-nous faire pour ça? En tout cas, je ne sais pas où. Toutes nos sources de revenus sont bloquées. C'est ça donc? Mon frère, je pense que on doit trouver un moyen d'aider Mike, d'épouser Obiarama. Ce faisant, il peut nous amener aux États-Unis. J'ai appris que les médicaments des Blancs sont très efficaces et travaillent bien. Hein? Aide-moi à faire ça. Je l'ai entendu dire qu'il rentre dans 4 jours. Ce que tu n'as pas pu faire dans des semaines, peux-tu le faire dans des jours? Écoute, mon frère, tu dois m'aider. C'est un de résoudre ça. S'il te plaît, aide-moi. Combien me payes-tu pour te soutenir? Hein? Comment ça? Oui, tu m'as entendu. Tout pour moi maintenant demande l'argent car nos sources de revenus sont bloquées. Hé, hey, Wane, Wazikosi. Mwakokosi. Hein? Wazikosi, Adena. Mwakosi, Igone. Nous sommes des frères, hein? Je risque de te laisser. Tu sais que je n'ai pas d'argent. Donne-moi l'argent. Hey. Tu me payes combien? Je m'en vais. Mon frère, ne me fais pas ça. Je vais mourir dans tes mains. Tu sais tout maintenant, voilà. Je n'ai pas assez de temps de mon côté et je dois vraiment tout faire pour pouvoir retourner rapidement. Donc, je te supplie de bien vouloir acheter cette voiture. Tu sais, tu es mon meilleur ami, non? Dans tout ce village, alors, s'il te plaît, achète cette voiture. Tu vas aimer ça. Mike, vendre cette voiture à 800 000 naira ne va pas aider la situation. Écoute, toi et moi savons que ce qu'il te faut, c'est 5 millions de naira. Et 800 000 naira ne va rien faire. Bien, laisse-moi réfléchir à propos de ça. Je sais qu'une fois que je... Une fois que je retournerai aux États-Unis, ça ne prendra même pas plus d'un mois pour pouvoir reconstituer l'argent pour cette voiture, ok? Mais le vrai problème, c'est que je veux le vendre pour pouvoir voyager. Ce n'est pas comme si je le laissais pour ma mère parce que... Ma maman a sa voiture à elle. Mon idée, elle est claire. Je veux que tu puisses m'aider en tant que mon ami. Achète cette bagnole, elle est en bon état, ok? Et laisse-moi réfléchir à propos d'autres choses. Comme ça, quand je vais voyager, je vais voir ce que je peux faire, mec. Mike. Je trouverai de l'argent pour une autre voiture. Et par ailleurs, si tu ne veux pas t'en soucier, vendre la voiture à cause d'une femme n'est pas du tout bon, mon frère. Ce n'est pas bon. Mike, c'est risqué. Eh bien, je n'ai pas peur du risque, mon cher, si tu veux savoir. Alors, tu l'achètes ou pas? Parce que je risque de changer d'avis, moi. Ok. Puisque tu as décidé de la vendre, je vais toucher certaines choses pour voir dans quelle mesure je peux t'aider parce que tu es mon ami. Fais-le très vite, oh. D'accord. Merci d'avance, bro. Thank you.
Ouais. Au revoir, mon garçon. Bon garçon. Un gars gentil. Un gars gentil. Garçon, joli garçon. Attends, mais es-tu de ouais, ouais. Et qu'est-ce que cela signifie? Hein? Par respect, vous devriez vous adresser à nous comme prince Chinemé et prince Okanoumé. Prince? Oui. Hein? Omaziko aussi. Onimako aussi. Mampako aussi. Mako aussi, allez. Pour votre connaissance, notre père va bientôt finaliser les plans pour devenir le Igwe de cette communauté. C'est exact. Et si vous deux, vous voulez être des princesses, vous devez venir rendre hommage. C'est ça hein? Le problème. Maziko aussi. Nako, nako, adja, adja. Qui n'aime pas les bonnes choses? En fait, je suis tout à toi, mon mari. Mmh. Mon mari, s'il te plaît, viens m'épouser sans plus tarder. Tu es sûr de ce que tu dis? Hein? Regarde-moi son derrière. Mon frère, allons gâter ces filles. Allons leur montrer que nous avons de l'argent. Sinon, l'argent n'est pas le problème. Salut, jolie fille. Comment tu vas? Je vais bien. Je vois. Mais pourquoi tu marches toute seule à cette heure? C'est un exercice physique. Exercice physique? J'aime ça. En attendant, je m'appelle Eloka. Puis-je te poser une question, s'il te plaît? Es-tu mariée? Non. Je suis Sama Adina. Je suis prête à conclure avec un homme responsable. Oh, merci. Je prendrai ça comme un compliment. Puis-je avoir ton numéro de téléphone? Ok, pas de problème. Jolie fille, très très mignonne. Mon fils, tu es allé très loin. Comment tu peux vendre ta voiture juste pour épouser une fille? Hein? Et maman? Utilise ton cerveau. Je ne le permettrai pas la prochaine fois. Hein? Ah maman, je suis juste confus. Tu n'es pas confus. C'est juste que tu t'es laissé emporter par l'amour. Un amour qui n'a pas de sens. Ah, tu m'étonnes vraiment. Ah, tu perds la tête ou quoi? Marie. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue donner ça à mon futur mari. C'est le pain, oh. C'est un gros pain, on peut partager avec toi. Ok, laisse-moi amener du beurre, comme ça on va utiliser pour manger du pain, ok? Ok. Je t'attends ici. Je t'attends, hein? Ce pain est pour mon chéri. Hey! Folle! Regarde que je te revois encore ici. Maman? Cet homme a vraiment exagéré. Ces insultes, ce sont énormes. Non, non, c'est énorme. Oh! À tout moment, je vais le laisser pour aller chercher un autre homme qui va s'occuper de moi. Elle mange. Fille sauvage. C'est à moi que vous parlez. Ouais, c'est à toi qu'on parle. Hein, attendez. Non. Vous provoquez. Ta place, Ta place. Oui, vas-y. Laisse-toi. Oh mon Dieu. Je vais compter. Oh. Il se boulot. Laisse-toi vite. Elle est en train de gagner. Elle va te gagner. Oh.
2, oh, elle est en train de gagner. Vas-y. 3, elle a gagné. Elle a gagné. Et c'est pour la perdu. On t'a gagné. Oh mon Dieu. Hey mon Dieu. Non. Hey. Et c'est boulot. Et c'est pour la honte. Hey, pas moi. Non. Hey. Et c'est boulot, lève-toi. Tu vas la frapper. C'est boulot, lève-toi. Okan mère. Papa. Tizévé. Papa. Qu'est-ce que vous me cachez? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, Okan mère? Papa, on ne cache rien, non? Vous ne cachez rien. Nous ne cachons rien du tout. Tu parles à un enfant, n'est-ce pas? Hein? Alors dis-moi, pourquoi Okan mère danse toujours? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Papa, il aime beaucoup danser, juste comme Kiri. Vraiment? Oui, papa, je suis un danseur. Je serai un grand danseur dans l'avenir. Formidable. Et la seule danse que tu danses est celle autour du terrain. Ça ne commence pas quelque part. Ok. Sois un sérieux. Quel type de tisane tu dis que l'herboriste a préparé pour toi? Les anti-malaria, non? Juste pour la malaria. Tisane de malaria. Simple malaria. Tisane de malaria. C'est la simple malaria, très simple. Quel type de malaria tu as contracté qui affecte ton organe d'en bas? Et une simple malaria ne peut pas être guérie pendant combien de mois? Après avoir pris des médicaments anti-malaria. Vous pensez que vous adressez à un enfant, hein? Azuka, viens voir. Viens voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Celui-ci a contracté une MST. Et celui-ci le couvre. Je ne suis pas sûr qu'il n'a pas contracté aussi. Parce qu'il court dans la ville en allant coucher avec des prostituées. C'est la seule chose qu'ils connaissent. Oh, calme. Regarde les choses que tu élèves. C'est vrai? Regarde ton travail. Oh, d'accord. Regarde ton travail, Azuka. Ah. Regarde-toi. Ne sont-ils pas tes enfants? Tu veux que qui parle maintenant? Hein? J'ai fait mon devoir. Tu as fait quoi? Oui. C'est le problème que tu as. Ton problème est que quand toi tu parles, tu n'es pas que quelqu'un d'autre te dise quelque chose. C'est ça ton problème. Tu n'es pas celui qui parle même. Quand tu m'as épousé, est-ce que j'ai une MST? Dis-moi, qui va prendre soin de ses enfants? Tu vas le faire toi-même. Laisse-moi. J'ai fait tout ce que je peux faire. En tant qu'un homme, je subviens aux besoins de ma famille. Vous mangez bien. Regardez comment vous êtes en forme. De mon argent, de mes nourritures. Juste, éduque-les bien afin qu'ils ne soient pas des bons à rien. Tu ne peux pas. Papa, la vérité est que nous ne savons pas de quoi tu parles. Vraiment. On n'a aucune idée de tout ce que tu racontes. Hein? Papa, on manque aussi. On manque aussi. Je te parle, tu es là à te justifier, n'est-ce pas? Dégagez-vous d'ici. Regardez-moi ça. Regardez-les. En tout cas, comme tu as refusé de m'en parler, pas de problème. Tu peux continuer avec ton quoi que ce soit, avec ta danse. Mais laisse-moi te conseiller. Assure-toi d'y aller te soigner, sinon ça te rendra stérile, bientôt, et tu seras incapable d'avoir des enfants. Moi, j'ai déjà mes enfants. Bientôt, j'aurai des petits-enfants de Obiaranama. Je suis de retour, oh. Ma fille? Ah! Ma chérie. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, viens, entre. Mets-toi et parle-moi. Maman. Hein? Ezebulo est vraiment un homme pauvre. Il ne peut pas bien prendre soin de moi. Il n'a vraiment rien. Je te dis la vérité. Je finis avec ce mariage. Goliako, je t'avais prévenu deux et le demi que cet homme était très pauvre. Tu connaissais bien qu'il était pauvre. Mais tu t'es quand même entêté de te marier à lui. Te voilà revenu. Pourquoi? Maman, c'est juste à cause d'une voiture ordinaire. Une voiture ordinaire qui veut commencer à m'aider à faire mes courses, il n'arrive pas à m'acheter. Hein? Non. Il y a les petites filles de ces villages, sans qu'on donne des voitures avec leurs hommes. Mais moi, Ngoliako, la plus belle, je suis piéton.
Non. Ça, c'est une insulte. C'est vraiment une insulte et il doit arrêter. Hein? Maman, ça m'énerve. Ma chérie, lève-toi. On y va à la maison. Ah. On va discuter plus tard. Ma maman, bon, chérie. Hein? Voilà pourquoi je parle toujours de toi. On y va. Et tu penses aller où comme ça? Ah ah. Bon ça. Et à qui tu parles comme ça? Je te parle. Es-tu malade? Rentre chez ton mari. Ah ah. Rentre. Maman, donne-moi ça. Bon ça. Rentre chez ton mari. Maman, tu as causé toutes ces bêtises. Oh. C'est toi qui as... Arrête ça. Et toi, arrête. Je dis rentre mais chez ton mari. Qu'est-ce que tu as, ça, bon ça? Rentre chez ton mari. Ce n'est pas ta maison, ça. C'est le maison de ton père. Ça suffit, mon fils. Je ne partirai pas d'ici. Ta mère, je t'en prie. Faut que tu te prends toi. Si tu es fort, t'es pas là-bas. Va te mettre avec tes amis. Je suis pas un homme comme toi. Je ne suis pas ton mari. Tu vas rien faire. Tu vas venir avec moi. Maman, parle avec lui. Moi, je vais lui faire du mal. À ton prix, arrête ça. Maman, ce que j'avais fait était très mauvais. C'était très stupide et absurde de ma part. De laisser une si belle fille comme ma mamie Wata de marcher sous le chaud soleil. Maintenant, j'ai reconnu mes erreurs. Maman, s'il te plaît. Je sais que j'ai commis une grave atrocité en laissant une si belle demoiselle marcher sous le chaud soleil. Maintenant, je vous dis quelque chose. Je suis en train d'épargner afin que je puisse lui acheter une voiture. Je vais faire tout ce qui est humainement possible pour qu'elle soit heureuse dans ma maison. Plus jamais ne marcheras-tu sous le chaud soleil. Et si nécessairement elle doit marcher sous le soleil, je dois la suivre avec un parapluie. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi. Wa mami watam bikonu. C'était très mauvais ce que tu avais fait. Comment pouvais-tu laisser ma jolie fille, ma princesse, faire le pied? Qu'est-ce qui t'avait vraiment passé à la tête? Hey. Hein? Comment? Maman, je te promets, je jure sur ma vie que ça ne va plus arriver. Ça ne va plus se répéter, maman. S'il te plaît. Maman? Oh? Ce n'est pas que je me plains, oh. Oui, si seulement puis me trouver un moyen de transport. Bien. Et la Jeep dont il m'avait promis va venir. Ezebuilo. Maman. As-tu entendu ce qu'elle a ouais, dit? Ouais, maman. Elle ne se plaint pas. Tout ça parce qu'elle t'aime. Hey! Ezebuilo, tu es stupide. Ezebuilo, tu es stupide. Ezebuilo, tu es absurde. Ezebuilo. T'appelais encore très fort. Ezebuilo, Ezebuilo, Ezebuilo. Maman. Tu vois que ma mamie Wata dit que je peux lui acheter tout ce qui est mobile jusqu'à ce que je trouve de l'argent pour lui acheter une Jeep. Mais je suis ici tenant toujours ma parole que même si ça me demanderait de vendre tous les terrains de ma famille pour lui acheter cette voiture, je le ferai. C'est exact. Maman, une chose de plus. Quoi? Est-ce qu'on peut aller à la maison maintenant? Depuis que ma femme m'a quitté pour venir rester ici, je n'arrive plus à me retrouver et mon cœur fait guidi. Goliako, maman, tu dois apprendre à supporter ton mari. Tu sais bien pourquoi nous avons fait cela. C'est pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la honte. Et si seulement cet homme se fatigue de ses mariages, personne ne voudra t'épouser. Maman, ça ne sera pas possible. N'oublie pas que je suis la seule Ngoliako, là où repose la beauté. Oui, je sais. Mais si Ezebuilo me demande de lui retourner son argent ou les histoires qu'il avait achetées, je n'ai pas d'argent à lui remettre. Et tu sais quoi? Je te connais très bien. Tu dois être prudente. Très, très prudente. M'as-tu entendu? As-tu entendu ce que je dis? Goli? Tu t'en vas? Cette fille est terrible. Agbataram, tu n'as plus à t'inquiéter. Hein? Tu sais que je suis prêt à faire tout ce qui est humainement possible pour te rendre heureuse. Hein? Ça ne me plaît pas quand je regarde ton visage et je vois la tristesse, la colère ou quelque chose qui ressemble au stress. Tu as compris. Tu vois la Jeep là que je t'ai promise, je dois te l'acheter. Même si je dois vendre cette maison, tu dois la vendre et rassembler l'argent pour t'acheter la Jeep, je vais la vendre. Peux-tu arrêter de parler de cette maison, s'il te plaît? Pardon. Si tu veux, les commissionnaires sont là-bas devant, ils t'attendent.
Pourquoi tu parles beaucoup? Pas chez moi. Ochakodi, Ochakomaka, Amonsocha, regarde là. Plus personne ne t'épousera dans ces villages. Je vais vendre ma maison, ma propre maison. Rentre, va vendre la maison de ton propre père. Laisse-moi tranquille chez moi. Maman, je n'aime pas ce que tu fais. Maman, ce que tu fais ne me plaît pas. Laisse ma femme et moi jouir de notre mariage. Laisse-nous tranquille. Que veut dire tout ceci? Hein? Tu sors de ta cachette ancestrale et médiévale pour interrompre notre amour. C'est la maison de mon mari. Retourne la maison de ton père. Va construire la tienne. Maman, ce que je fais ne me plaît pas. Maman, laisse-moi te dire quelque chose. C'est la maison de ton père. Retourne dans la maison de ton père et laisse tranquille mon Agbantala. Tu vois ce que tu as causé? Tu as forcé ma femme à étendre sa main pour me battre. Et tu sais que je n'aime pas que ma femme se stresse. Agbantalam, la prochaine fois que tu veux me battre, tu n'as pas à te stresser en étendant ta main pour me battre. Fais-moi juste un signe. Je m'approcherai de toi pour que tu me battes. Je n'aime pas que... Hey! Merci Agbantalam, merci. Maman, pourquoi tu cries? Est-ce que c'est ton corps? C'est toi qu'elle bat? Arrête tout ça. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Hein. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Si je dois te vendre pour rassembler assez d'argent pour acheter une jeep pour moi, Agbantalam, pour ma mamie Wata, je te vendrai. Agbantala, chaque fois que tu veux me battre, fais-moi signe. Je vais m'approcher pour que tu me battes. Tu sais que je n'aime pas que tu étends ta main. Méfie-toi, maman. Méfie-toi. Quitte la maison de mon père. Hey! Mon mari! Hey! Mon mari! Mon mari! Ah! Hey! Mon mari, quelle belle voiture! Ah! Belle voiture! Hey! Dégage de là, toi! Pardon, attends. Hey, que veut dire ceci? Mon mari, viens payer ma dot. Oh. Ma dot n'est pas du tout coûteuse. Oh. C'est juste un naira. Hein? Tu me prends. Ça ne va pas beaucoup te demander, mon mari. Hein? S'il te plaît, viens. Oh. Je te plais, je t'en prie. Viens m'épouser vite, non? C'est mon mari. Hey, mon mari, s'il te plaît, non? Tu veux que je t'épouse? Oui. Hey. Non, mais c'est quoi cette merde dans laquelle je me plonge encore? Pourquoi suis-je le seul à me retrouver dans de telles situations, mon Dieu? Cette situation, c'est la volonté des dieux, hein? Mon mari, s'il te plaît, viens, tiens-moi dans tes bras, hein? S'il te plaît, oh. Tu veux que je t'épouse? Je vois. Bien, où est-ce qu'on va aller alors? Écoute, hein, parti où tu veux, j'irai avec toi. Même si tu meurs, je mourrai avec toi. On va nous enterrer ensemble. Ok, si tu meurs, on va t'enterrer seul. On va nous enterrer nous deux, ensemble. Je dis la même chose, si tu meurs, on va t'enterrer seul. Si nous mourons, on va nous enterrer ensemble. Si tu meurs. Nous sommes créés pour être ensemble, oh. Hey. Putain de merde. Ok, bon, c'est bon, monte, vas-y, monte dans la voiture. Entre dans la voiture, comme ça on va aller chercher quelque part où t'enterrer. Ma mère avait raison que je vais épouser une autre femme. Je ne peux pas vendre ma voiture pour un mariage où tous les membres de la famille n'ont cessé de me mentir. Je crois que je dois faire marche arrière. Je vais épouser cette fille Joma à qui ils m'ont présenté l'autre fois. Ouais. Je vais épouser cette fille Joma à qui ils m'ont présenté. Après tout, elle est belle et assez géante, c'est bon. Je crois que c'est ce que je vais faire. S'ils ne seront pas en sécurité, allons chez moi, ou soit on entre dans la brousse. Hein? Les gens risquent de nous voir. Hein? Bébé, tout endroit est sécurisé aussi longtemps que je suis en charge. Hé,
Et les gars, sincèrement, il n'y a plus rien à dire de plus. J'en ai marre de tout ça, c'en est fini. Il n'y a plus rien qu'aucun d'entre vous puisse ajouter. Donc si vous savez ce qu'il y a de mieux pour vous, allez-vous-en. Allez-vous-en paisiblement maintenant. Organico, calme-toi. Même si tu ne veux pas épouser notre sœur. Mais Idioma n'est pas la bonne option. Hein? Calme-toi, non? C'est nous qui l'avons présentée à toi. Hein? Et elle a essayé de te séduire. Tu ne vois pas le niveau de sa prostitution. Elle couche avec tout le monde qui est prêt à l'accepter. Oui, mon frère a raison. De la même manière, vous deux avez toujours dit de la merde qui n'a jamais eu de sens. Vous ne m'avez jamais dit la vérité bien avant. Pourquoi devrais-je croire ce que vous dites? Cette fois-ci, je te dis la vérité. Cette fille-là a une grande infection sexuellement transmissible. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Oui, hein? Hein? Tu veux épouser une désespérée? Celle qui va de gauche à droite, tu es? Non, vas-y, Kosi, Kosi, ma Kosi. Arrêtez-moi ce que vous dites là et sortez d'ici. Dis pas que je t'avais pas prévenu. Nous parlons des MST. C'est de ça qu'on parlait. Ton problème. Non, écoute-moi très bien. Les sexes et l'enfant n'étaient pas dans notre corps de mariage. Oh. Je te dis la vérité. Toi, laisse-moi te dire. T'es épousé juste pour te regarder et admirer ta beauté. Tu m'avais épousé parce que je suis une fille très très belle. Oui. Écoute-moi bien. Si je couche avec d'autres hommes, je vais tomber enceinte. Tu vas me chasser chez toi. Ça fait quoi même? Écoute, laisse-moi te dire. Je peux tolérer tout ce que tu fais. Je peux supporter tout ce que tu fais. Mais tu vois ce potentiel que tu me refuses. Ton corps pour lequel j'ai payé, je ne vais plus l'accepter. Hein? Que ma valeur intérieure fait ça. Fais-y là-bas pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi bien. Je veux rester comme ça et toi, tu vas t'en prendre à toi-même. Donc tu veux me dire littéralement que j'ai épousé un homme comme moi dans ma maison? Peu importe ce que tu penses. Donc c'est un homme comme moi que j'ai épousé comme femme. Ne réveille pas la bête qui est en moi. C'était un accord. Écoute-moi très bien. On ne réveille pas le sorcier qui se trouve en moi. Parce que tu l'avais dit. Ne réveille pas la bête qui est en moi. Va à l'intérieur, laisse-moi te pomper. Et tu vas voir la sorcellerie. Va à l'intérieur, laisse-moi te niapper. Va à l'intérieur. Laisse-moi, laisse-moi. Je n'y vais. Mes enfants. Tinebe. Aucun mère. Kini mébé. Qu'est-ce que vous faites? Mes amis. Ono Wojenge. Attache-le très bien. Très bien. Aïe. Je suis relégué. Quoi? Tu restes comme ça si tu n'acceptes pas que notre sœur épouse Mike. Mes fils. Je pensais que nous sommes du même côté sur ce sujet. Pourquoi vous me faites ça? Hein? Aucun mère. Pourquoi vous me faites ça? Ah, non. Nous sommes du même côté, non? Ou bien ce n'est pas ça? Ce n'est plus ça. Ce n'est pas une nouvelle que j'ai eu cette infection. Qui me rend très difficile. D'uriner. Ça me fait mal. Nous avons tout essayé, mais ça ne marche pas. Et Mike a promis de nous amener aux États-Unis pour qu'il soit guéri. Donc, papa, tu resteras ici. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu acceptes de donner Obiaranam à Michael d'épouser. Sinon, tu resteras ici. Hey, mes enfants, Mbano. Est-ce que c'est moi qui vous ai envoyé d'aller coucher avec des achats ou des prostituées? Hein? Pourquoi vous pouvez me blâmer? Papa, tu es égoïste. Tu vas rester là. Jusqu'à ce que tu acceptes que notre sœur épouse Mike. Moi, égoïste. Moi? Est-ce que c'est vrai? Marco aussi a dit à quoi? Si tu ne donnes pas ton feu vert, tu resteras toujours ici. Mais, mes enfants, s'il vous plaît, non. Mais respectez un peu Dieu. Hein? Dieu a dit dans la Bible, honore ton père et ta mère, spécialement ton père. Et tu auras la vie éternelle. Vous ne l'avez pas lu? Hein? Pourquoi vous me faites ça? Vous ne voulez pas vivre longtemps? Hein? Alors, nos jours seront longs, mais tu dois rester là. Papa, cesse de te décevoir avec les versets de la Bible. Hein? On te laisse ici. Hein? Papa, tu restes. Vas-y, Kosi. Et papa, Marco aussi a dit. Vous me faites ça. Et Marco aussi a dit. Papa, reste. Aucun humeur. Ok, Marco aussi, gagne Marco aussi. Non, Nico. Hey! Oh non, où est-ce une girl?
boulot. Et c'est boulot. Laisse-moi. Non, maman. Imbécile. Idiot. Non, maman. Tu sais que depuis que j'ai épousé un Ngouliako dans cette maison, elle ne m'a jamais permis de la toucher. Ce que font un mari et une femme, non, je ne l'ai jamais fait avec ma femme. Hein? Maman, comment est-ce que la femme que j'ai épousée peut me faire ça? Maman, regarde ça, non? Ndag. Hey, maman. Ndag. Tu voulais avoir une femme qui est belle, non? Tu as oublié l'essentiel. Tu voulais épouser ta compagnie de chambre. Maman, la voilà. Est-ce une moquerie ou quoi? J'ai une seule question pour toi, maman. Anna, une seule question pour toi. Veux-tu de petits enfants ou non? Maman, veux-tu de petits enfants ou non? Où est-elle? Bien sûr que oui. Non, je maman, c'est Joseph qui est venu à l'intérieur. Elle doit me donner de petits enfants. Non. Où es-tu? Assez, c'est assez. Elle en fait trop. Tu me dis tout ceci. Je ne l'ai pas épousé pour l'admirer. Où est-elle? Non. Aujourd'hui, je dois coucher avec toi. Où est-ce que cette fille est allée? Hey! Maman, viens! C'est elle! Maman, aide-moi! Viens ici! Maman, aide-moi! Vous allez le faire aujourd'hui! Amenons-la à l'intérieur! Maman, tu le feras aujourd'hui! Maman, aide-moi! Ouvre la porte! Entre dans la maison! Maman! Tu feras ton devoir aujourd'hui! Maman! Ouvre la porte, maman! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui! Maman, aide-moi, maman. Fais-le. Ouais, va maman. Le faire. Maman, ferme la grille. Ferme la grille. Par force. Ferme la grille. Attrape-la. Très fort. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Hein? Il y a pas mal de filles qui cherchent des hommes pour les épouser. Maman, je dois partir. L'amour ne peut pas survivre dans cet environnement. J'ai essayé. J'ai essayé, maman. Je dois m'en aller. Fais pas ça, s'il te plaît. Maman, je dois partir. Ça ne dérange pas que j'aie le travail ou pas, parce que là, vraiment, je dois partir. Je suis fatigué. J'en ai marre de rester ici. Mon fils, ne t'en va pas comme ça. Hein? Je suis là. J'avais peur de donner mon opinion. Je voulais que le vieux décide et qu'il enseigne la sagesse. Mais je réalisais, les vieux n'ont pas toujours raison. Avoir des cheveux blancs n'est pas une garantie pour avoir toujours un bon jugement. Qu'est-ce que tu fais ici? Mike, relax. Que fais-tu ici? Je cherchais au plus profond de mon cœur. Et j'ai réalisé combien je t'aimais. Mon père sait maintenant ce que je veux. Alors il n'a pas d'autre option que celle de t'accepter. Tout simplement parce que j'ai choisi de rester avec toi. Obiérana a raison. Nous sommes désolés de t'avoir fait une farce. Nous avons fait cela à cause de la jalousie que nous avons pour notre sœur. Et maintenant, Chidebena et moi, nous soutenons ton mariage avec Obiérana, notre sœur. Nous allons te soutenir dans tout domaine, afin que ton rêve devienne réalité. Où est-il? Okalibo, sors de ta cachette. Nous sommes venus uniquement pour toi. Où est-il? Okadibo?
Où est-il? Où est cet Okadibo? Qu'est-ce que c'est? Oh, donc te voilà. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Okadibo? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes venus pour t'informer à cause de l'amour que nous portons sur la vie de notre fille. Oui, Okadibo. Oui. Oui. Tu dois permettre notre fille de se marier à l'homme de son choix. Oui. Oui. Azuka, même toi aussi, tu fais partie d'elle maintenant. Permets à notre fille d'épouser l'homme de son choix. C'est tout ce que je veux. C'est pourquoi vous avez envahi ma cour comme ça? Oui. Et si tu t'entêtes, nous allons te bannir de cette communauté. Sois-en sûr, nous les ferons. Vous allez me bannir, moi le Ono? Nous le ferons. Vous ne savez même pas ce que j'ai traversé aujourd'hui. C'est que... Ok, je ne veux même pas vous parler de ça. Okadibo, trop, c'est trop. Permet au Biaranam à se marier à l'homme de son choix. Sinon... Ok, j'ai accepté. Ce n'est pas pour que Obiaranama épouse l'homme de son choix. J'ai accepté qu'elle aille se marier. Tu as intérêt. Au cas contraire, je ferai appel à toutes les femmes de cette communauté. On va se charger de toi ici même. Oui. Et tu sais ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas arrivé jusque-là. Ce n'est pas arrivé à ce point. Je ne veux pas ce côté. Je ne veux pas ça. Hey. Je suis fatigué. Laisse-moi te reposer. Je ne sais pas que tu étais bon. Hey, laisse-moi me reposer, non. Tu vas me tuer. Laisse-moi me reposer un peu avant qu'on ne continue. Ne me laisse pas comme ça, non. Allons là-bas terminer ce qu'on a commencé. Maman, quoi? Veux-tu que je meure? Veux-tu être une veuve? Laisse-moi me reposer un peu. Maman, hey. Pourquoi tu es comme ça? Non, s'il te plaît, tu as commencé quelque chose. Qu'on en termine, s'il te plaît. Pourquoi? À ce point, je propose que tu retournes chez ta mère et restes là un peu. Quand je reprends mes forces et ma vie revient à moi, tu pourras revenir. Veux-tu être une veuve? Et Zébulo, c'est à moi que tu parles comme ça. Non, Agbanchalam. Allons terminer ce qu'on a commencé, s'il te plaît. Tu peux me dire la chose là ici. Je mourrai. Veux-tu que je meure? Aie pitié de moi, non? Maman. Mon amour. Qui est ton amour? Je ne suis pas ton amour. C'est comme ça que tu te promènes dans le village distribuant les infections. Je ne suis pas ton amour. Ne m'appelle plus ton amour, s'il te plaît. Ça va comme ça. Va te traiter, s'il te plaît. Chérie Bikono, ne me laisse pas, pardon. Je te supplie, Bikosie. Et tu penses que c'est moi qui vais te rendre responsable? Écoute-moi bien. Ça ne peut pas marcher. Ce que tu dois faire maintenant, madame, va te faire traiter. Tu portes des infections très terribles. S'il te plaît, je ne veux plus. S'il te plaît, ne me supplie pas. Ça va comme ça. Beaucoup. Ah bah, tu as des infections. Va te faire traiter. Allez, reviens. Viens à moi. Arrête. S'il te plaît, fais pas. Arrête ça. Je ne veux plus. Ah, s'il te plaît, reviens. Agbanchalam, tel que tu te tiens là-bas, me regardant, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mon cher mari, je voulais profiter de cette occasion pour te demander pardon pour tout ce que j'ai causé dans notre mariage. Je suis vraiment désolée. J'ai réalisé que le mari que j'ai est le meilleur que ce que ma mère m'avait dit. Je voulais aussi te remercier pour ta compréhension. Tu ne m'avais jamais quittée. Merci énormément. Agbanchalam, je t'aime beaucoup.
et je t'aimerai toujours. Merci. Je t'aime aussi, mon mari. S'il te plaît, entre dans la maison. J'ai vraiment envie de toi. S'il te plaît, entre, chérie. Maman, s'il te plaît, je suis fatiguée. S'il te plaît. Je suis fatiguée, laisse-moi me reposer un peu. Oh, viens, s'il te plaît, hein? Je t'en prie. Oh. Je suis fatiguée et tu m'amènes encore à l'intérieur, tu vois. Merci beaucoup, bébé, d'être patient à mon égard. Mon cœur battait pour toi et continue de battre rien que pour toi. Même quand j'essayais d'abandonner, c'était dur. Mais je suis content que ça se soit bien terminé pour nous. Nous sommes ensemble maintenant. Oui. Mike, je t'aime de tout mon cœur. Je n'ai jamais senti cela. Je t'aime plus, mon monde. La vérité est que je n'ai jamais ressenti cet amour dans mon cœur. Je n'ai jamais pensé que ça serait ainsi. Mais c'est ainsi. Je t'aime. Tu es mienne. Et mon rêve actuellement, c'est de t'appeler mienne pour toujours. Je suis juste impatient que tu puisses porter nos petits-enfants. Bien, allons chez moi. Ma maman aimerait te voir, ok? Ok. Je suis impatiente. Je rêve vraiment de me marier à cet homme. Ne suis pas ce stupide, Mike. Ne t'inquiète pas. Hey, on les a eus. Hein? Ils ne peuvent pas fuir, oh. Nos maris sont là. Allons vite près d'eux. Prends au calme et moi je prendrai chez Allons vite, oui. Ok, allons-y. Ah, mon mari! Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Laisse-moi en paix. Je dis laisse-moi. Laisse-moi. Au secours! Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Akban Chalam. Hé, mon inoxydable. Mon inoxydable. Doucement, doucement, doucement. Biko, biko. Doucement. Ouayo. Vas-y doucement, je ne veux pas que tu te stresses. À cause de mon bébé là-bas, ou mieux, mes bébés. Tu le sais, non? Très bientôt, ton nom changera de Akban Chalam à Mama Jumeau. Je ne veux pas que tu te baisses. Non, ne te baisse pas.
Waouh. Waouh. Assieds-toi, mon amour. Hein? Doucement, doucement. Doucement, doucement. C'est bon comme ça. Ton repas, si, hein. Tu sais, avant que je ne commence pas à manger, tu sais que tu es mon apéritif. Donc, je vais te toucher d'abord. Ma bouche est maintenant douce, donc je peux commencer à manger. Mange. Eriodoa. Non, la gnoué. Eriodoa. C'est comment? Inessi Gogo. Est-ce que c'est délicieux? Tu as bien appris ça. Et tu as bien appris. Je suis contente. On dirait une potion d'amour. C'est une bonne chose.